Qu'on doit voir en moi.
je ne veux pas qu'on parle d'une autre chose, je ne veux pas qu'on chante une autre chose, je ne veux rien connaître, j'ai tout laissé pour connaître Christ, la puissance de sa mort, la puissance de sa résurrection, je suis fort de louer, je veux qu'il s'assèche de l'autre côté, il s'appelle admirable, on doit le connaître, il m'a donné la force de combattre en moi tout ce qui veut s'élever, je déteste ma vie, je déteste la sensation du plaisir qui vient dans ma vie, c'est mon ennemi. Il m'a enseigné comment combattre l'ennemi. Il m'a enseigné comment combattre l'ennemi qui utilise mon âme pour mettre une barrière entre lui, Jésus-Christ, et moi. Il m'a enseigné à renoncer à moi-même. Il m'a fait détester les plaisirs de la terre, de l'argent, de la gloire, de la louange et les plaisirs qui viennent par la position, les plaisirs qui viennent par les titres, les plaisirs qui viennent de l'admiration. On te dit que tu es bien homme. Il m'a fait renoncer à toutes ces choses pour aimer le plaisir de sa présence, sa force, sa puissance, son autorité. Il me sanctifie. Il a payé ma dette. Il paye toutes mes dettes. Toutes mes dettes. Il est fort pour sanctifier. Il est fort pour libérer. Il est mon frère. Tu ne le connais pas. Il est fort. Le ciel et la terre ne peuvent pas être comparés à la mention de son nom. À la mention de son nom. Tout jeune dans le ciel. Regarde le ciel. Regarde les étoiles. Regarde le soleil. Regarde la lune. Regarde les myriades et les myriades et les myriades d'anges dans les cieux. À la mention du nom de Jésus-Christ, ils sont tous en adoration. Ils se prosternent à la mention sur la terre du nom de Jésus-Christ. Tous se prosternent sous la terre. Mon frère, dans les cieux, je parle de Jésus-Christ qui est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, mon frère, qu'il habite. Dieu t'a choisi pour habiter en toi. Pourquoi tu es faible? Pourquoi tu regardes le monde? Pourquoi la chair t'a servi? L'homme ne vit pas de la chair, mais tu veux de la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand le temps arrive, tu deviens fort. Il te communique sa force. Il a annulé la force est de la chair. La force est qui vient de l'enthousiasme de la chair. Et il a annulé le ministère de la lettre, il a annulé le ministère de Satan, du dragon, du serpent, et de la bête, du faux prophète qui s'immiscit dans ta chair pour te conduire, pour te faire chanter, pour te rendre triste. Il les a dénoncés par son éclatante lumière, il les a mis à découvert, ils ne peuvent plus se cacher, il a exposé les démons qui grimpaient sur ton corps pour t'asservir. Tu pleurais que tu es pauvre, tu es malheureux, tu souffres. Il t'a révélé la ruse du diable. Tu as vu que tes souffrances, ta pauvreté, c'était plutôt ta bénédiction, c'était ta gloire, c'était ta force. L'apôtre Paul dit que plus je suis faible, plus je suis fort. Donc je me contente de ma pauvreté pour être riche éternellement, parce que dans ma pauvreté, je me dépouille pour amasser éternellement au ciel. Dans ma faiblesse, un Christ devient de plus en plus fort. L'Esprit de Dieu devient fort en moi. Il est fort, il est puissant. La Bible dit que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de force, très fort, tout puissant. Oui, mon frère, l'Esprit de force, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui nous ranime, l'Esprit qui nous vivifie, l'Esprit qui a le feu de la parole, le feu de l'adoration. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans le feu de la prière qui est lié à l'adoration véritable, le feu de la prière, le feu que le Saint-Esprit allume, le feu que l'Alpha et l'Oméga allume, le feu pour qui va brûler en toi éternellement, le feu qui consume la chair, le feu qui combat la loi de la faiblesse, la loi de la lourdeur, la loi de la fatigue, le tout puissant, l'admirable, le roi vainqueur. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre siècle, beaucoup de gens sont faibles, fatigués. Oh, hey, la force de mon père, oh,
les chats d'Israël et leurs cabanerets. C'est comme ça qu'Élisée criait. Quand il a vu Élie monter dans la gloire, quand il a vu Jésus-Christ monter dans la gloire, mon frère, les chats d'Israël et leurs cabanerie, dit que tu valais tous les chats d'Israël et leurs cabanerie rassemblés, tu étais mieux, tu vois plus que toute l'armée, toutes les forces que je peux faire sur la terre, que l'Église assemblée peuvent être sur la terre avec leur travail, avec leur sacrifice et tout, ça ne peut pas être comparé à un mouvement du Saint-Esprit en une seconde. Un mouvement, une parole venant de toi arrange ma vie, arrange l'éternité. Ta parole est toute puissante. Jésus-Christ vainqueur, tu vois plus que toi. On s'écrit en admiration, en adoration, on s'exclame quand on te voit glorifié. La Bible dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va glorifier Jésus-Christ, il va révéler ta faiblesse, ton incapacité, et il va glorifier Jésus, il va t'humilier progressivement, et puis Christ va s'élever progressivement, éternellement dans la gloire. Frère, c'est un jugement terrible contre l'homme du péché, contre l'homme charnel, contre le vieil homme qui est ton ennemi. Il va continuer à chuter pour l'éternité dans l'abîme, et Christ va continuer à s'élever pour l'éternité. Frère, tu es de quel côté? Est-ce que tu veux que Christ s'élève dans ta vie? Ou bien toi, tu veux t'élever, frère? Le mystère de la résurrection par laquelle il a annulé la mort. Il a la loi de la vie impérissable. Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le roi des rois. Il a sur sa cuisse, voilà, et sur sa poitrine, une ceinture sur laquelle le nom est écrit, sur sa robe, roi des rois. Et Seigneur des Seigneurs, il est juge et combat avec la vérité. Il ne fait pas d'erreur, il ne prêche pas d'erreur. Il monte dans la gloire, il est dans la gloire a peur de lui. Il s'appelle le roi de gloire, mon frère, il commande la gloire. Il peut te faire marcher dans la gloire sans tomber, sans pécher, sans tomber dans l'orgueil. Il est tout puissant, les anges l'adorent, les anges voient continuellement sa face, les anges l'appellent ton puissant. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il dit que ton pouvoir, tu ne te grades encore, tu as encore les démons là sur toi, on joue la musique du monde, tu sens encore, tu es fatigué, tu regrettes encore le mariage, tu regrettes encore les maisons, les voitures, tu regardes encore derrière, est-ce que c'est le ton puissant qui te conduit, est-ce que c'est le Fils de Dieu qui a vaincu la mort, est-ce que c'est celui qui a dit que ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que c'est celui qui t'a dit que j'ai ton pouvoir? Regarde, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le lion, sur l'aspic, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nouer. Très clair, oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est lui qui est dans ton cœur. Il n'est pas simplement là pour chasser les démons de sorcellerie et tout ça. Il est là pour chasser les démons qui veulent t'amener en enfer par le péché, la loi du péché, le plaisir du péché, la séduction, ce qui rend la masturbation sucrée. Ce qui rend la cupidité sucrée, ce qui rend le fait que tu veux gagner de l'argent sucré en toi. Il a le pouvoir d'annuler la loi de la sucrerie, la loi du plaisir. Il a, voilà le problème. Oui, c'est ça la drogue du diable dans le sang de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes. C'est pourquoi il rétrograde, il s'affectionne à la chair au lieu de s'affectionner à son esprit. Jésus dit qu'il a vaincu la chair, il a tué l'homme de la chair. Donc quand je chante en disant je reçois avec toi la vie qui m'a franchi de péché, oh alléluia, oh alléluia, mon frère, je chante une expérience, frère, est-ce que tu comprends, ma soeur? Je chante une expérience. Maman ne peut pas m'emporter, maman ne dicte pas ma vie. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi de péché. Le péché qui est dans l'âme de la chair, mon frère, est brûlé par le feu que le Saint-Esprit va allumer en toi quand tu deviens un vrai chrétien.
éternel, la force est Dieu. Quand tu appelles Jésus-Christ par le feu qui sort de ton cœur, que le Saint-Esprit a allumé, il a reconnu que tu te tiens sur l'autel de Dieu, l'autel de Christ où le sacrifice parfait a été donné et que tu appelles Dieu en te tenant sur l'holocauste parfait, en te tenant sur l'offrande du corps de Christ qui est l'adoration parfaite qui monte vers le Père. Alors le Père sort de ton cœur tous les problèmes, tous les démons. Il a vaincu les démons de la famine, les démons qui empêchent que tu jeûnes longtemps. Il a décodé la force qui met la famine en toi et ils sont deux, ils travaillent ensemble. Il y a un démon qui met la famine en toi, c'est-à-dire que quand il met la famine dans la chair, et puis il y a un autre qui te donne du coup le désir de manger. Donc tu coupes ton jeûne et dès qu'il n'y a personne, c'est toi seul qui veux jeûner et tu n'es pas sous la loi, pourquoi tu vas continuer le jeûne? Et il brise ton engagement envers Christ. Jésus les a jugés. Alléluia, la force qui agit en moi, je ne peux pas t'expliquer, frère. Tu dois expérimenter une force terrible qui agit en les croyant. L'apôtre Paul dit que je travaille par sa force qui agit en moi. Ma force vient de faire la volonté de Dieu. Il tire sa force en mangeant la parole de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. Parce que c'est la parole qui accomplit la volonté de Dieu dans ta vie. Par une façon, d'une façon mystérieuse. Le mystère de Dieu, c'est pas dans la chair. Et puis quand il finit avec toi, il se lève dans la louange et dans la prière. Et puis il dit que tout est accompli. Tu comprends, mon frère, je parle aujourd'hui de la force de celui qui est capable de prier. Tu comprends, de celui qui soutient la prière des saints. La prière des saints est beaucoup rejetée dans la vie de l'église aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes ne s'appuient pas sur lui. La Bible dit que si tu détournes dans le livre de Proverbes 28, verset 9, la force d'entrer en communion avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont faibles. Tu viens à la prière, tu n'es pas en communion avec lui. Tu manges, tu bois. Les démons de famine, les démons qui combattent le jeûne, les démons géants qui parlent avec le sang, l'âme de la chair. Ils ont le code qui donne le plaisir à l'âme de manger la nourriture du monde et de t'affectionner à la nourriture du monde. Je crois que Dieu veut peut-être attaquer quelqu'un aujourd'hui dans le jeûne. Mon frère, ta vie de jeûne est misérable. Jésus t'a dit qu'il y a un démon qui travaille dans la chair et qui met l'appétit de la nourriture qui a de l'éveil, qui va lever ta chair et qui va te mettre dans le sommeil. Alors que lui, Jésus, est capable d'enlever le corps de là, voilà, et de remplacer le corps de là avec la famine de la parole de Dieu. La Bible dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu ne peux pas manger le pain quotidien, tu ne peux pas manger le corps de Christ et boire son sang tant que tu as encore faim de la nourriture du monde. Beaucoup, voilà très clair combien de fois tu manges Christ et tu bois son sang par rapport à la nourriture du monde que tu manges. Hein? Regarde la balance. Christ a dit que si ce serviteur se met à manger et à boire, alors son maître viendra à une heure où il ne s'attendra pas. Qu'est-ce que tu manges toi-même, mon frère? La table du Seigneur, le sang de Christ, la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu manges, mon frère, ma soeur? Le Seigneur t'appelle à la consécration pour t'élever avec lui dans la prière légèrement pour ne pas être lourd. Les démons là sont là. Combien de jeûnes est-ce que tu as brisé? Tu dis que tu vas jeûner 3 jours à 7, alors et puis après tu brises ton jeûne au deuxième jour parce que les démons là travaillent fort pour que tu coupes ton jeûne et l'affection pour Christ. Christ a dit que si tu ne manges pas ma chair et tu ne bois pas mon sang, tu n'auras pas la vie en toi-même. Comment tu vas manger la chair de Christ quand tu as encore envie de manger trop dans le monde? Les démons là sont cachés. Jésus-Christ a jeûné 40 jours
éternel, je ne veux pour toi. Est-ce que tu comprends? Pour annuler les démons qui travaillent dans la chair. Tu comprends? La chair doit être crucifiée avec ses passions, avec ses désirs. Le désir de manger, quand tu veux gêner, n'est pas de Dieu. C'est un esprit qui se cache. Et puis tu commences à dire que c'est naturel. C'est naturel dans ta nature de pécheur. Mais dans la nature de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la force de l'intersection. Voilà la force du feu que Dieu anime dans ton cœur, qui ne peut plus s'éteindre. Voilà le feu que tu dois garder jour et nuit. Aller chercher le bois, oui, mon frère, pour que le feu la continue à se rallumer, à monter. Tu comprends? Appeler d'autres frères, d'autres soeurs, d'autres enfants de Dieu, pour que vous soyez ensemble. Quand tu communiques la flamme de l'Esprit de Dieu, tu es fort. Personne n'allume une lampe pour la mettre comme un message. Je ne parle pas là-bas. Je vais continuer comme ça. On va revenir une autre fois sur le feu de la prière, de l'adoration. Voilà pour appeler d'autres personnes pour entrer dans la prière. Tu comprends? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lait, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Très clair. Alors, une ville qui est située sur une colline ne peut pas te cacher. Tu comprends? Tu es situé sur la montagne de Sion. Tu es situé dans les lieux très élevés. Avec Christ, tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés qui sont assis avec Christ dans les lieux très élevés. Tu comprends? Tu es fort. Tu es radiant de lumière. Donc, tu ne dois pas regarder derrière le feu qui est en toi. Tu comprends? La force est de Jésus-Christ lui-même, le premier-né. La passion de Jésus-Christ pour faire la volonté de son Père. La force qui vient du jeûne. On va revenir notre foi, mon frère, dans le feu de la prière qui se passe, qui commence avec l'holocauste et l'offrande. Voilà très grand, on va revenir et qui entraîne inévitablement à l'adoration de Dieu, à l'adoration en esprit et en vérité. La force du jeûne aujourd'hui, la source, c'est-à-dire que la prière qui a la force, c'est la prière de la crucifixion qui se tient dans la crucifixion de la chair. C'est-à-dire que la chair qui vit et qui combat la prière, c'est l'âme de la chair qui combat la prière. Donc l'âme du péché empêche la prière. Donc quand Dieu dit que quand vous étendez les mains vers moi, je détourne mes yeux parce que vos mains sont pleines de sang. Ça veut dire que tes mains là sont pleines de sang. Premièrement, le premier sang que tu as dans ta main, c'est le sang de ton âme, parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, ça c'est dans Ésaïe 1, verset 15 à 18, la Bible qui pêche, la Bible dit que, voilà, je veux dire que l'âme qui venait, pardon, quand vous élevez les mains, j'ai de tous mes regards, c'est dans Ésaïe 1, verset 15 à 18. Et puis maintenant, l'âme qui pêche dans le livre d'Ézéchiel, c'est elle qui va mourir. Donc, voilà, et la Bible dit que quand tu pêches, ton péché retombera sur ta tête. Voilà, très clair. Donc, l'âme, le sang, ton sang est entre tes mains. Donc, quand tu lèves les mains, n'étant pas sanctifié, tu as ton âme d'abord entre les mains. Tu vois, tu es pécheur. Donc, ton âme répondra de tes péchés parce que tu n'as pas le sang pour être racheté. Tu comprends? Voilà la première barrière qui empêche les gens de devenir forts. Et pourquoi est-ce que le péché continue à survivre? Parce que leur prière et leur appel, leur engagement n'est pas appuyé par le jeûne. Tu regardes la Jésus-Christ, tu regardes Élie, tu regardes Moïse, ils ont jeûné 40 jours. 40 jours, il vit comment? Est-ce que je veux que tu comprennes ton appel et que tu comprennes comment tu es loin de l'appel de Dieu? La force qui est devant toi est une force éternelle. Le Saint-Esprit, l'esprit de force. Tu comprends? J'ouvre le passage de Bible, mais je n'arrive pas à aller parce que peut-être que ce n'est pas une histoire de verset biblique. Ésaïe 11 dit que, voilà très clair, que l'esprit Saint, c'est l'esprit de force. Et l'esprit de force, ce n'est pas théorique. Il a montré dans la vie de Jésus-Christ 40 jours, 40 nuits, sans manger. Mon
jamais prié sans que ça ne s'accomplisse. Est-ce que tu comprends? Il a vaincu la loi de la chair. Il a tué l'âme de la chair pratiquement avant d'aller à la croix. Frère, il a lutté jusqu'au sang. Il a résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il a compris la voie du péché. Tu comprends? C'est-à-dire que les suggestions des démons qui travaillent dans la chair, il a compris, il connaît l'oppression que tu reçois quand tu jeûnes, il connaît par son esprit ce qui t'empêche de jeûner. Il y a les jeûnes que tu vas rompre, il va dire que tu as péché. Il y a les jeûnes que tu vas rompre, il va dire que tu n'as pas péché. Il connaît l'intensité, le degré de famine qui t'est donné pour que tu supportes la croix et pour que tu meurs en lui, que ta chair soit crucifiée, pour que tu connaisses la douleur de la sanctification, pour que tu valorises la nouveauté de vie qu'il va te donner. La Bible dit qu'après la souffrance, c'est la joie, et la joie là est incorruptible. Il dit que vous me verrez encore et nul ne vous ravira votre joie. Donc dans le jeûne, il y a des moments où tu vas te demander, est-ce que Dieu me connaît? Tu ne vas pas sentir l'Esprit de Dieu, mais il est là en train de te soutenir, en train de juger les princes d'Égypte, en train de juger les démons d'affection. Pendant que toi tu jeûnes, en croyant que c'est le réveil que tu lui demandes, lui il est en train de juger les dieux d'Égypte qui t'empêchent de sortir de l'Égypte, de sortir de la chair. La chair, c'est aussi l'image de la puissance du premier égyptien qui te tient captif. Donc, ils ont les codes pour t'appeler en arrière. Tu comprends? Ils ont les codes de plaisir. Ils travaillent avec les sens, avec lui. C'est-à-dire que l'oreille, ils peuvent t'appeler avec le code de l'oreille. Les paroles douceuses, la musique du monde, tout ce qui passe à l'oreille, les souvenirs, tout ça, ils vont utiliser les yeux. Ils ont les codes pour t'appeler, pour entrer dans ton âme. Ils emploient les ouvertures pour entrer dans ton âme, tes parties privées. Ils ont les codes pour entrer là-bas, t'appeler. Tu comprends? Te faire descendre de ta prière, de la montagne, du sommet de l'autorité, là où la chair est crucifiée, te fait sortir du désert. Tu comprends? Parce que tu remarques qu'au désert, Dieu parle à ton cœur plus facilement. La Bible dit que dans le livre d'Osée, que je vais la conduire au désert afin de parler dans son cœur. La force est de gêner pour que Satan soit mort pour ton cœur a été donnée à Jésus-Christ, à Élie, à Moïse, aux deux témoins. Très clair, ça a été donné aux enfants d'Israël en Égypte. Ils ont fait 400 ans, mon cœur, sans renoncer à l'Éternel. Ça, c'est la force de la parole qu'a dit Abraham. C'est la force de la parole avec son esprit qui a dit à Abraham que ta descendance sera 400 années dans le pays étranger et je les ferai ressortir. Pendant les 400 ans, ils n'ont pas renoncé. Tu comprends complètement. Ils sont restés fermes. Ils sont passés contre femmes et mariés dans la grande tribulation de la puissance de l'ennemi. Ils sont sortis vaincus, montrant que la crucifixion, c'est-à-dire la victoire du chrétien, la victoire de Jésus à la croix par laquelle il a crucifié l'âme de la chair, la vie de sucrerie, le mystère du plaisir. Voilà qui fait que le monde fuit, l'éternité fuit Jésus-Christ. Le Seigneur a vaincu le plaisir. Frère, ça c'est trop fort. C'est trop fort, frère. Ça, c'est une révélation qui dépasse les millénaires en avance. Il a vaincu le plaisir. Et puis, dit que si tu aimes le plaisir, tu es perdu. Est-ce que tu comprends la voix de Jésus? Tu es toujours dans le plaisir et tu dis que tu le sais. Tu n'as pas parlé loin. Tu comprends? Le plaisir de l'esprit, comme David connaissait, dit que dans ta présence, il y a d'abondantes joies et des délices éternels à ta droite. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Le délice, mon frère, fais de l'éternel ton plaisir le plus grand. Ça n'est pas
léger, le plus grand, mon frère. C'est pourquoi tu manges de la nourriture du monde plus que tu ne manges de la parole de Dieu. Et si vous regardez le paradoxe, ceux qui mangent de la nourriture du monde, ils ne peuvent pas bien manger la parole de Dieu. Donc le jeûne est important. Est-ce que tu comprends, Dieu? Jésus dit qu'il a la force de tuer le démon qui donne la famine. Il va entrer en guerre avec lui. Mon frère, il va le vaincre. Il a dit que tout est accompli. Le démon du plaisir de manger. Tu comprends? La Bible nous dit dans Ecclésiaste que voilà, heureux toi le roi dans le pays, le pays, heureux toi le pays dont le roi est des races illustres et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leur force. Tu comprends? Non, pour se donner plaisir. Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu n'est pas le message n'est pas préparé, hein? Faut bien remarquer que c'est l'esprit qui règle ton problème de faiblesse dans le chêne. Le démon là va sortir, frère. Jésus-Christ sépare l'âme de la chair de l'âme de sa chair à lui. Tu comprends? L'âme de la chair qui est dans le sang, Jésus-Christ sépare ça. Il enlève l'âme là et te fait vivre par son âme et tu t'affectionneras à la parole de Dieu et la loi de l'immortalité qui est dans le Saint-Esprit va te soutenir. Est-ce que tu comprends? La parole va te soutenir. La Bible dit que Élie a marché 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne d'Horeb. Tu comprends? Avec le pain qu'il avait mangé. Tu comprends? Très clair. Quel symbole de la parole de Dieu. Tu comprends? Moïse a fait 40 jours à la montagne du Sinaï en mangeant la parole quand Dieu lui donnait les 10 commandements. Mon frère, est-ce que tu comprends? La force du jeûne, ce n'est pas l'habileté de la chair, c'est la force de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu jeûnes beaucoup, tu es dégagé. Tu n'es pas dans le Seigneur Jésus et puis tu as les pensées. Non, tu es dégagé. Tu as vaincu la chair. Tu as vaincu la dimension terrestre. Tu es dans les lieux élevés. Avec Christ, tu as l'autorité. Quand tu regardes un démon, quand tu regardes les sorciers, ils vont tomber. Ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Ils ne peuvent pas sortir en sorcellerie. C'est Christ en toi qui le voit. Ton cœur est plein du feu du Saint-Esprit. Ta tête partout. Tu es entouré du feu. Mon frère, le feu que Dieu a allumé. Quand tu dis prier sans cesse, il ne compte pas sur ta chair. Il compte sur lui-même. C'est pourquoi les sanctifiés chantent comme ce doigt de l'honneur. Tant que dure le combat, tu comprends? Compte sur lui de l'honneur. Tu as payé les prémices de ta vie, de l'adoration. C'est lui qui est devant. Quand Satan attaque, il rencontre le premier-né devant ta porte. C'est ça qui est le sang qu'on regarde sur ta maison, mon frère. Le sang sur ton front. Quand il arrive, il dit que là, on a un problème. C'est le premier-né. La résurrection qui est devant dans sa vie. Tu ne peux rien faire contre lui. Tiens-toi à distance. Un feu va sortir de lui, de nulle part, et ça va vous dévorer. Le feu que Dieu a allumé, le feu dans le jeûne, mon frère, la force du Saint-Esprit a désarmé les démons qui vivent dans la chair, dans le sang de la chair, les démons de famine, les démons de la soif qui substituent la soif et d'eau vive et qui veulent que tu boives de l'eau. Tu commences à faire les jeûnes de Daniel. Mon frère, il y a plus que Daniel qui a été manifesté. Pourquoi tu veux faire le jeûne de Daniel quand il y a la beauté par excellence de l'original qui a été posée? Laisse l'eau tranquille, laisse la nourriture tranquille. Le Seigneur le pain qui va remplacer la nourriture. Et puis il a l'eau vive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein qui jailliront jusqu'à la vie éternelle. La femme samaritaine ne connaissait que l'eau du puits là. Le Seigneur dit que tu es dans la préfiguration.
Je ne suis moi qui te parle. Je suis Jésus qui habite dans ton cœur. Je suis dans ton cœur. Les puits de vivant sont dans ton cœur. Et puis tu rêves encore les démons. Appelle-moi du fond de ton cœur. Cherche le jeune. Le diable a couvert le puits de ton cœur avec la chair, les inquiétudes. Tu es devenu l'homme. Je ne t'ai pas appelé à m'aider. Cherche à m'aimer. Appelle-moi du fond de ton cœur. Ta force n'aura pas de limite. La force du chrétien, c'est dans le cœur. Tu comprends? Le jeune véritable. Donc, va ouvrir les points de vivre dans ton cœur. Tu n'auras plus soif spirituellement. Tu n'auras plus faim. Tu comprends? Très clair. Et puis, tu vas être rassasié. Beaucoup vont mourir dans les derniers temps. Ils ont enfer. Tu vois les gens en enfer. Le Seigneur dit que ils ont faim de la parole. Ils ont faim. J'ai faim. Parce que sur la terre, ils n'avaient pas mangé la parole. Ils ont soif là-bas, comme l'homme riche. Parce que sur la terre, ils n'avaient pas bu de leur vivre pour que leur vivre jaillisse jusqu'à la pierre éternelle. Est-ce que tu comprends que si un pasteur te prêche encore du monde, il veut ta mort? Est-ce que tu peux être humble, hein, ma soeur, entre nous, mon frère? Est-ce que tu ne peux pas arrêter de dire Jésus, aie pitié de moi, moi aussi je me manque beaucoup? Quand est-ce que je vais être vendu à toi complètement, sans réserve, hein? Complètement, mais j'étais dans l'eau, très clair pour être sauvé avec toi. Les trucs qui m'empêchent, délivre-moi, reconnais, confesse ton péché, reconnais ta faiblesse. Aimez-le-toi, dis à Dieu que quand je vais jeûner, quand je vais prier, il y a tel fardeau qui m'ennuie, il y a telle facture que je dois payer qui m'ennuie. Tu es fort que les factures. Tu peux me libérer de la crainte des factures. Tu peux me libérer de la crainte de l'immigration qui m'empêche de faire ma restitution. Et quand je vais prier pour aller avec toi, j'ai encore la condamnation dans ma tête, dans mon cœur, parce que je n'ai pas fait la restitution. Je travaille avec le nom de quelqu'un d'autre. Je travaille avec le diplôme de quelqu'un d'autre. Délivre-moi de tout ça. Alpha, Omega, mon père, mon père, mon père, la force éternelle. Libère-moi, donne-moi la louange, comme il est écrit, que dans la bouche des petits-enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as tiré l'adoration, la louange. Libère-moi, fais de moi un enfant de Dieu. Il est écrit dans le livre du rouleur que à ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné. Donnez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais encore avec la chair, la force de gêner, mon frère? Le Saint-Esprit est fort pour te donner la capacité de gêner. La loi de l'esprit de vie va vaincre la loi de la chair. Tu vois, quand tu fais 40 jours, 40 nuits sans manger, ça, c'est la lettre de l'Esprit de Dieu qui écrit à l'humanité. Elle dit que j'ai vaincu votre science, j'ai vaincu vos connaissances. C'est moi qui décide le jour où ceux qui ont confié leur vie dans ma main vont mourir. Cela me quand je veux. Ils ne mourront même jamais. C'est moi qui vais les appeler. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je montre, j'écris une lettre vivante au monde. Je mets le monde en défi que mes enfants, ce que j'ai scellé, ce que j'ai moi-même convaincu du péché, de péché, ce à qui j'ai donné la foi, ceux-là vont vivre sur cette terre avec une nouvelle joie, avec une nouvelle âme. Ils ne vont pas regretter votre âme de la terre, vos plaisirs, vos joies, vos ambitions. C'est une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, mis à part, sanctifié, prêt, conseil pour révéler la gloire de Jésus-Christ. Voilà vivant, voilà son témoignage sur la terre. C'est
est donc histoire dans deux dimensions du jeûne. Ils ne se réjouissent de rien qui sort de la terre, mais ils se réjouissent de tout ce qui sort du ciel. Le deuxième homme est d'en haut, le nouveau est d'en haut. Est-ce que tu comprends un peu ce que veut dire être chrétien? Un chrétien mange beaucoup la nourriture du ciel plus qu'il ne mange la nourriture de la terre. Il boit plus l'eau du ciel plus qu'il ne boit l'eau de la terre. Chrétien, notre nouveau, qui connaît Jésus, qui communie avec lui, combat bien homme, tellement, tu ne peux pas l'affaiblir, tu ne peux pas l'enchaîner, tu comprends son cœur et ton ciel, tu ne pourras pas, tu as vaincu Satan, tu as vaincu faux prophète, tu as vaincu la bête, vous ne pourriez pas, il n'a rien à gagner, maman, il ne vit pas par ton sang, il ne vit pas dans le monde, il a rêvé, il n'aime pas le monde, et les choses qui sont dans le monde, beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas longtemps, parce que le monde, il quitte pas voir la télé. Imagine-toi, tu vois une chrétienne, elle quitte pas voir la télé. Frère, je te trouve en train de voir la télé, je ne sais même pas si tu peux, je ne sais même pas comment tu peux te qualifier, tu parles, tu connais, on va écouter un témoignage demain. Je dis demain si le Saint-Esprit veut, parce que ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon temps de prédication, ce n'est pas ma volonté. C'est Jésus-Christ qui voit ce qu'on ne voit pas et qui parle. Mais j'aimerais, voilà, quand l'homme naturel jouait le témoignage d'aimer sur le combat dans la prière, et vous allez voir comment l'ennemi combat la prière. Mais si on ne le joue pas, vous avez déjà écouté comment on a écouté le témoignage, comment Satan disait à son responsable, voilà, qui était responsable des affaires spirituelles, contre les chrétiens, il dit que va dans la réunion de prière. Si tu ne peux pas arrêter la réunion de prière, présente-toi là-bas avec une dose de démons, de sommeil, de lourdeur, de fatigue, de monotonie. Présente-toi la prière avec des millions de démons que tu vas injecter en eux. Tu comprends? Pour qu'ils soient là. Tu vois une soeur en Christ, un frère en Christ, il y a la prière dans une. Tu la regardes, elle est en train de regarder la télé. Un qui d'abord veut venir pour prier, tu te vois comme ça. Tu n'étais jamais mon ami, frère. Tu n'étais pas chrétien. Et tu vas freiner l'église dans la prière, dans la louange, dans la position qu'on va te donner. Tu vas venir freiner complètement. Tu crois que c'est ta blague? On est en train d'aller au ciel. La force doit s'entupler. Les ténèbres sont en train de grandir. Le faux prophète augmente la puissance par le jeûne dans son camp. Et puis ses disciples ne blaguent pas parce qu'il les tue. Du coup, très clair, là-bas, ils font des jeûnes brutaux. Et on les tue. S'ils s'amusent, ils doivent être à l'heure, à l'église, au temps-là. Tu viens avant, on te frappe, tu pars après, on te frappe. Alors ils servent un maître terrible et ils sont disciplinés pour aller dans le feu éternel. Tu comprends? La récompense éternelle sur le feu. Toi, tu as ton maître qui t'a dit que tu pars dans la vie éternelle. Regarde ta discipline, regarde ta consécration, regarde ce que tu mets sur la table. Les démons là tombent. Parce que tu n'as pas gêné jusqu'à ta mort, la mort de la chair. Tu vas voir comment ils auront faim. Ils vont commencer à te supplier. Va manger, non? Va boire. Voilà ta femme qui passe, non? Tu ne fais plus l'amour avec ta femme, ouais. Quel est le Jésus que tu cherches là? Ils vont commencer à être derrière toi faible. Et puis l'Esprit de Dieu va leur dire, mon fils, je laisse et juge. Le prince du monde est jeté dehors dans ta vie. Je suis le temple de Dieu. J'habite en toi. Je juge tes ennemis jusqu'à la dernière goutte du sang du péché. Tu comprends? Tu vas voir ma force, elle est éternelle. C'est pas la force des petits trucs que tu as vaincu par les démons des péchés, des petits disputes. On part au tribunal pour la maison. On se querelle, on m'a fait. Ça, c'est les démons. Tu n'es pas dans le jeûne. Tu comprends? Quand tu es dans ton jeûne vainqueur, je parle du jeûne vainqueur. Tu ne sais même plus que tu es en train de jeûner.
trinquer. Tu as vaincu le diable, tu as entré dans une autre dimension par la force du premier-né. Trinquer Jésus, va gêner 40 jours. La lettre de l'esprit, Moïse 40 jours, Élie 40 jours, tout ce qu'ils ont demandé dans la prière, ça s'est accompli. Trinquer, parce que ce n'est plus la chair. Donc les désirs de prière ne venaient pas par eux, par les démons qui passent imperceptiblement dans le sang pour te suggérer les désirs, et puis les désirs là deviennent des prières. Non, la prière, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Tu comprends? C'est pourquoi la prière était exaucée. Tu comprends? Voilà les crucifiés dont le Seigneur t'appelle aujourd'hui à comprendre qu'il y a une grâce pour gêner. Il peut te la donner. Tu es trop faible. On va prier, on va s'arrêter et je crois que le message, le Seigneur le donne pour que tu sois fort, pour qu'il t'enlève avec lui et que tu sois seul avec lui sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants qui roulent, qui contrôlent, qui règnent dans le présent siècle, qui ont menti à la multitude que le plaisir de la chair, que la vie de la chair, c'est le bonheur, c'est la bénédiction. Ils les ont aveuglés parce que ces personnes ne peuvent pas aller à la croix, pas de jeûne. Tu comprends? Donc, en Égypte, les enfants d'Israël ont jeûné. Le jeûne, c'est s'abstenir à tout ce qui peut contrôler ta foi, qui va prendre le trône de Dieu, ton affection pour l'éternel. De tes mains très claires, au dessin, ils ont survécu parce que leur progéniture est entrée à Canaan. Ils n'ont pas été éteints complètement. Mauvais, Christ a montré par là que quand il parle, il va l'accomplir. Il a parlé à Abraham, il a mis Abraham dans le sommeil. Quand Dieu travaille, la chair doit être crucifiée. Crucifier, beaucoup de gens enseignent l'erreur parce que ce sont les démons dans l'âme qui leur font des suggestions et ils passent par là pour leur donner une fausse doctrine. La chair vient encore et ne peuvent pas s'appuyer avec Jésus, s'accorder avec Jésus que tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes et même à ta propre vie. Les crucifiés comme Abraham qui était couché quand Dieu parlait en lui disant que ta descendance fera 400 ans dans un pays étranger, mais je vais les sortir de là. C'était la force de la parole et de l'esprit de la parole qui annonçait la capacité de Dieu de te faire traverser le feu, traverser l'eau sans que l'eau ne te noie, c'est-à-dire que l'image du peuple qui a péri lors du déluge, ça ne va pas t'arriver. Tu vas survivre le déluge comme Noé, tu vas survivre comme l'autre a survécu le feu. Donc ça ne va pas t'emporter très clair, pas de jeûne. Le fort, le top puissant, le rédempteur béni est capable. Donc il est le garant du jeûne. Il peut te faire jeûner autant le nombre de choses que Dieu veut que tu jeûnes pour servir Dieu pendant tout ton pèlerinage sur la terre. L'Esprit de Dieu est fort. Ouvre ton micro alors pour leur parler, pour que sa volonté s'accomplisse. Commence à prier, commence à demander à Dieu toutes les choses là qui te rendent faible dans la prière. Mon frère, ma soeur, dans la constance, parle à Dieu, Seigneur, ta puissance, inquiète-moi, je cherche que la force qui domine le péché, qui annule le péché, la vie de la chair, mon père, pour vivre dans les les passions de la chair sont crucifiées sur nous. Le pied, c'est là de jeter. C'est là de pied. Tu chantes combien de temps? Combien de temps? Le Christ est fort. L'esprit de Jésus est fort. Pour le peuple de Dieu, Jésus est trop puissant. Pour le sang de Dieu, la gloire. Avec toi,
Top puissant, Lord Adieu, oh, Alléluia, il
matin livrer des milliers de démons. Gloire à Dieu, Jésus de mort, fais tomber toutes les chaînes, ma soeur, la France est en Christ. Alléluia, je ne pêche plus, je ne pêche plus, Jésus Christ de mon Père est terminé. Je n'ai plus envie de faire mon nouveau constat, mon frère, pourquoi tu vas la chercher chez maman? Mon frère, ma soeur, la France est en Christ. Tu vas mourir comme Jésus veut. Ce n'est pas la maladie parce que tu n'avais pas l'argent pour aller à l'hôpital. C'est pas parce que tu avais faim. C'est comme Jésus veut. La chanson chantait comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Comme à chaque fois que l'esprit met dans le cœur de frère de la gloire, ça part au ciel. Mais Jésus regarde, il te donne le jour de ta mort. Tu comprends, tu t'es bien pour rien. Ton enfant va mourir dans le de sa mort. C'est Jésus qui tient par elle. Dans ses mains, les océans les mains. C'est Jésus qui tient par elle. Voyez, Saint-Christ, quelqu'un de la force royale, mon Christ est venu. Un vrai chrétien, Jésus Christ de l'offre. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, amen, on s'arrête. On en finira pas, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, amen, on va s'arrêter ici. Messenger, amen. Messenger, messenger, le frère de Jésus, amen. Et les soeurs, amen. 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 Skype, amen. Skype, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Les gens qui sont connectés sur Skype, voilà, toutes ces personnes-là, en France, on ne vous entend pas. Que le Seigneur bénisse tout le monde, les gens de la Houndé, tout le monde là-bas. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci Seigneur.